Tu lui as pas dit ce qu'elle avait envie d'entendre. J'aurais dû mentir. Je suis pas sûr que t'aurais apprécié qu'elle te raconte dans le détail les sentiments qu'elle peut avoir pour un autre. C'est dur à encaisser. Et qu'est-ce qui se passe si je choisis Jordan? Que tout se passe bien, et qu'elle ça déboule, et qu'elle me dise « Salut Lazare, j'ai rompu avec mon mec, j'ai fait une erreur, et maintenant je vais être avec toi. » Alice a un copain? Ouais, elle en a un. Tu sais, si elle a un copain, tu ferais mieux de laisser tomber. Il faut que tu l'oublies. Ça a toujours des sentiments pour elle, mais je sais que c'est dur. Elle vit sa vie, et je crois que tu devrais peut-être faire la même chose. Je sais pas, c'est vraiment dur. Merci pour tout. Bonne chance. Ma mère pense que je devrais oublier Alissa. Mais j'aime toujours et j'aime Jordan. Il me faut encore du temps. Ça va? Je dois suivre mon cœur. Oui, chou. Ça va, ma belle? Ça va, Ninette? Mes parents pensent que je devrais lâcher l'affaire avec Alissa et me concentrer sur Jordan. Avant ça, je vais faire une dernière tentative pour la récupérer. Coucou. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je vais lui faire la surprise et lui offrir des fleurs, des bonbons, pour lui montrer que je pense toujours à elle. Ça va, ma belle? Je peux vous aider? Je voudrais des fleurs pour l'anniversaire d'une fille. Coucou Ninette. C'est votre petite amie? C'est mon ex. Comment tu dis?